Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour des vagues exo sur Dofus 2. On est sur Rush avec Leka, après avoir passé beaucoup de temps à revendre tout ce qu'on avait, à préparer ce grand almanach que je vous ai proposé d'ailleurs en vidéo la semaine dernière, mercredi dernier. Voici le retour de la vague avec de nouveaux items, des items très intéressants. Voilà, les derniers anneaux de Pandala, avec notamment l'alliance Pandamonium. On a la nomenclature, je sais pas de quand, non, je sais pas équipé que je voulais faire. Voilà, je viens de foirer ma vague qui était bien rangée, c'est pas très grave. Je sais même pas, ouais, c'était quoi. Oui, non, c'est du Pandala, je crois aussi. J'espère ne pas dire de merde parce que je connais pas spécialement. L'anneau possédant, en fait, ça c'est du Panda. Et on retrouve également les anciens que j'ai gardés qui sont toujours bien. L'anneau Rust, le pas de greffe, toujours bien. Aller chercher en 7 ou 12 d'Ocri. Les tritons en 20 d'Ocri. J'ai fait des Bogés là en plus. Vraiment, vous allez voir, on a que du Bogé. Les volcans sont tous en 20 d'eau. Les tritons tout en 20 d'eau aussi. Les Bakori full bonne stat et tout. Des possédés. Enfin, on va voir un peu les nouveaux. Les CS, ben, on va commencer par eux justement. Vous allez voir, ça va être trop bien. Du coup, ben, on se lance. Let's go. On va passer sur l'overlay FM et on va se souhaiter bonne chance parce que vous le voyez, alors vous voyez pas, je vous le montre hein, les gars, regardez les kamas, 8 millions de kamas, c'est la crise, les runes coûtent très cher et comme bon, pour ceux qui n'ont pas vu mon amalgame, je vais en parler, on va commencer à faire nos tentacles sur les petits 16 de guerre, j'espère vraiment que ça va passer parce que du coup il me faut des sous, si possible. Allez, let's go. J'adore ce genre de début de vidéo, les amis, sur Inceste. Ok, j'ai débarré, mais très bien. J'allais commencer à parler tranquillement, de parler de mes runes et tout, des stocks, du coup. Et bah ok, 340, 57, 25, c'est un beau jet, mais je vous jure qu'en plus, on avait, je pense que c'est le moins bon. Ouais, encore, voilà, on a du 57, 56, 25. Voilà, après, c'est la Vita qui est 340, c'est le minimum. Bon, c'est pas le meilleur jet, mais c'est quand même un très sympathique jet pour un 16 de guerre qui passe dès la première tentative. Ben, génial. On rappelle également, hein, les gars, même si c'est la crise, vous inquiétez pas pour moi, je vais remonter tranquillement. Les 5 millions de cam en jeu par exo reviennent, donc n'hésitez pas à commenter pour tenter de remporter ces 5 millions par exo. Donc là, c'est déjà 5 millions qui sont à gagner. C'est moi qui régale, j'espère pouvoir aller taper dans un autre exo avec pourquoi pas un nouvel anneau, on va voir. Bah écoutez, top, bon début, j'aime beaucoup, let's go. Imaginez le deuxième, hein. Juste imaginez, ça serait marrant quand même pas. Ok, bon, Inceste, c'est très bien. Maintenant, comme je vous dis, on avait jusque là les VV qui étaient pas terribles, on avait les Crusty qui étaient pas terribles dans la vague, là on a que des trucs bien. On a que des trucs bien qui coûtent vraiment un certain prix, qui sont bien joués. Voilà, tout ce qui est item corrup, voilà, item terre de qualité. Les nouveaux items, a priori, j'espère en voir, se vendent plutôt bien aussi. Donc, on est plutôt pas mal. Bon petit start. Je sais pas, par contre, je crois pas. J'ai les GAPA du coup qui sont mises. Je crois pas avoir de Tenta PM. Nouvel item, l'anneau possédé, un item appui PO. J'ai essayé d'en forcer. J'ai 2 Wido seulement. J'ai pourtant essayé de. Genre casser des jets qui étaient ready comme ça, comme ceci là que je vous ai fait en 7 d'eau en jet en très bonne stat en plus. Donc j'ai cassé plusieurs jets comme ça pour essayer d'aller chercher un pupéo pour le 8 d'eau. Là on a même le 8 retrait, sur l'autre on l'a, si on l'a aussi le 8 retrait. Donc bah, pourquoi pas passer sur ça, mais c'est pas évident en tout cas aller viser un jet 8 d'eau comme ça. Eh bien on n'en aura pas, voilà, les deux tentats 8 d'eau sont passés. Même un 7 d'eau, je serais très content de voir le premier exo sur cet anneau. Alors, regardez les stats hein, qui sont vraiment très belles, 248, 59, 59. Voilà, donc écoutez, on va continuer tranquillement. Tu sais quoi, je vais commenter encore un petit peu les tentats sur ces magnifiques anneaux possédés avant de vous parler de mes runes. Ouais, franchement, regardez, hein, de très très belles stats, 57, 58, d'habitude. Enfin, je fais au moins 56, là on a carrément bien mieux, donc c'est cool. Et la dernière tenta, 57, 58, 249, tout en 7, 7, 7, 7, 7. Pas d'anneau possédé. Allez, on passe au bac corrupt. Celle-là, on les connaît. Pareil, au niveau des minimums, c'est genre 56, il y a du 16. Là, c'est le minimum justement qu'on a, je pense. Ça reste déjà très bien. Donc oui, la crise en Kama, c'est parce qu'en plus, bah, pour remonter cette vague, ça a coûté un certain prix en runes, hein, parce que les runes, là, c'est genre 2000 Kama la repair, les dos, c'est limite pareil. Enfin, c'est assez fou sur Rush en ce moment. Je crois que c'est à peu près pareil inter-serveur. Mais bref, j'ai quand même beaucoup d'items qui ont été préparés pour le brisage, mais il faut que j'attende encore un petit peu. Et pour l'instant, voilà, j'ai dû me débrouiller un petit peu. Pas de bike, peut-être une alliance, corruption, on va voir. Alliance corruption, on a beaucoup d'anneaux terre hein, maintenant, du coup, avec même l'anneau possédé juste avant, c'est terre-air. Hein. On a l'alliance pandamonium, un des nouveaux items qu'on verra juste après, qui est terre aussi. Il y a toujours la double corrup aussi. Allez, on vise notre deuxième exo, s'il vous plaît. Là, il n'y a rien de ouf. Hein. Ouais, pas de 7 retraits ni rien. Que des GOK là sur les alliances corrup. Ok. Pas d'alliance corrup. C'est pas grave. Les volcans. Les volcans, on aime beaucoup. On a beaucoup en plus sur les volcans. Je vous ai dit full 20 d'eau. Et on a quelques 20-100 de stats.
Il y en a trois, voilà. Il y a celui-ci avec 242 Vita. C'est pas incroyable. Ça ne passe pas. Bon, dans tous les cas, voilà, c'est quand même de très jolis jets sur les Volcorn. Allez, en début de feu, là, premier tentat, j'aimerais bien qu'on s'arrête pas sur ça. Ce serait décevant, en fait. Après avoir passé un Exo First Try, ne rien avoir de 147. Là, c'est très propre. Dommage. 141, 99. Ok, 244. 120 non plus. Let's go. Let's go. Sur le dernier, il fallait que je me taise. En fait, j'étais là, mais attends, je me tais un petit peu là pour voir vite fait. Et du coup, le deuxième exo qui passe sur un Nano Volcorn en 20 d'eau, 97 de chance. Très très clean, très 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 clean, très sympa. La Vita qui suit totalement. Notre deuxième exo, bah, ça fait plaisir. Un retour qui a l'air de plutôt bien se passer jusqu'à là. Pourtant, on est à la moitié là, littéralement. Il nous reste tout ça, regardez, les Russ. Les nomenclatures, les manclatures tout simplement, les agents sport d'ammonium, les pas de greffe et les tritons. Donc sur 50 tentats, on a eu le droit à deux exos. Est-ce qu'on n'irait pas taper dans le troisième? J'aimerais beaucoup. Passons au bac triton, encore une fois, item qu'on connaît bien. Bac triton tout en 20 d'ocri, que j'aimerais bien éventuellement pour les cas, que je restuff et tout là. Bah d'ailleurs, bon, est-ce que j'en parle de l'Eka avec lequel je me suis régalé pour aider la team de zéro pour les chasses légendaires. Pour l'instant, il a un petit 19 d'Ocri, donc ça pourrait être bien de lui donner un petit 20. Je tente de me retaire là sur la dernière, peut-être. Les pas de greffe, on a aussi de beaux sets d'eau, 12 d'Ocri. Pas de triton, dommage, peut-être une autre fois. Donc les pas de greffe, toujours de bonnes stats, 56, 56, 36 minimes. Les 6 d'eau, on dit raise, 11 d'Ocri minimes. Et puis des fois, il y a des petits sets d'eau, 12 d'Ocri. Je sais qu'il y en a plusieurs très jolis. Donc on va prier que ça passe sur ça éventuellement. Voilà, on voit là un. Les stats sont pas maxés, mais c'est quand même sympathique. Nope. Ok, ok. Ouais, du coup, en parlant de l'Eka, vraiment, j'ai tellement joué en ce moment là pour préparer l'Almanax. J'ai fait un passé tellement de temps sur Dove 2. Ça a été un régal. Allez, 99 là, justement. Voici un maxé de pas de greffe. 58, 58, 39 en 7 d'eau, 12 de cri. Non. Et un autre, voilà, il est là le deuxième, très joli, pareil, avec un petit overvita. Non plus, dommage. Nouvel item numéro 2, l'Alliance Pandamonium. Donc, puis un veau là-dessus, voilà, qui est ici. Pas évident, du coup, aller chercher le 8 d'eau. Est-ce que j'en avais? Ouais, j'en avais eu un. J'en avais fait un seul, mais ouais, pas évident du tout avec un puits un veau d'aller chercher le 8 d'eau. On a quand même pas mal de lignes dessus, donc voilà. Quand on en aura, ça sera très sympa. En tout cas, on a toujours de très bonnes stats. 56, 16 j'ai fait je pense là-dessus, ou 17, je sais plus. Allez, peut-être, sur ce nouvel anneau qui coûte très cher. Hein. Ça, rien qu'au craft, alors je crois que même que le posséder est plus cher en vrai, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, avec les ressources cabales là, on donne la 3, c'est beaucoup de sous. Donc ça serait cool pour cette première, sinon après on aura le manclature. Si jamais ça ne passe pas sur cette dernière tenta, sur la lance pandamonium. Ok, pas d'exo. On aura peut-être la chance de passer sur un nouvel item de la vague. Un exo avec cette anomenclature. Donc anomenclature, pas de puits. Je sais pas si j'ai trop bien fait de le mettre. C'est un peu chiant à aller viser comme j'ai honnêtement. Parce que bah, pas de puits du tout, même pas de ligne de PP. Il y a juste donc les deux poux que j'utilise en termes... Oh, j'ai cru que... What? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Ok, Doofus, pas de soucis, t'inquiète. Ouais, donc très bien. Que ouais, les dopous que j'utilise en tant que puits, j'ai mis genre 20 de puits, 20 de dopous minimum, et puis derrière 66 de stats, ce qu'il faut quoi, moins un esquive, c'est déjà très bien. Ouais, je sais même pas trop si c'est joué, mais en tout cas, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça fait toujours du bien de voir un nouvel anneau dans la vague. Allez, 67, pas mal. Ok. Non, dernière tenta, 65 AJ. Ouh, pas ouf ça. Ça ne passe pas. Ok, eh bien les amis, finissons sur les Anorus pour cette petite vague de 100 tentatives exo. Anorus, toujours très joli, 70-37 en 12 d'eau, 10 soins, 10 esquives. Ça serait mignon, dommage. Pas voulu gré de la passa. Bon, en tout cas, voilà, moi je suis déjà très satisfait là du bilan. 2 fois 5 millions à gagner pour vous, hein. Ça c'est beau. Peut-être un troisième. Un petit Russ. Deux tentats. Non. Et la dernière tentat, peut-être. Après avoir eu le first try, le last try, peut-être. 68-37. Eh bien non. Bon,
Revoici le petit Cest, revoici le petit Volcorn que je vais vous trouver. Sans dernier, voilà, qui est ici. C'est pas mal, bon petit bilan, franchement satisfait, ça va largement rembourser la vague. On va voir, allez, je vous propose d'aller voir vite fait en HDV ensemble combien je vais pouvoir en tirer. Puis voilà, on va pouvoir se quitter pour ce retour plutôt mignon. J'aime bien. Alors pour le Cest, on a celui-ci qui est à 25.555, donc 56 d'Intel, 23 sagesse. Le problème, moi, c'est la Vita 340, ça fait un peu light, donc je pense que je vais m'aligner sur lui. Tout simplement, je vais mettre genre 25.555 avec un petit 0 à la fin. Voilà, donc éventuellement 25ème de gratter là-dessus, c'est plutôt pas mal. Et puis le Volcorn, ça on va voir ce qui est disponible en HDV pareil. Et bien pour le Volcorn, un petit peu décevant, on a celui-ci, regardez, qui a 21-22 quoi. 96-20 comme le mien, 3 Vita moins 1 chance. Et là, juste en dessous, pareil, à 21-8, il y a 96-20, 247. Donc je vais pas pouvoir aller beaucoup plus haut malheureusement, je vais me mettre à genre... je vais mettre à 21-800 000 en gros, voilà. Que là. Donc voilà pour une vente totale à environ 47 thèmes. Donc ça va, c'est pas trop mal, ça fait plaisir. Sur une vague exo comme ça, deux exos sur 100 tentas, ça va. C'est ok. Donc bah écoutez les bros, on se retrouve. Alors je sais pas si ça sera pour mercredi prochain ou dans deux semaines, ça dépendra si je suis chaud ou pas. Mais en tout cas, ça sera un mercredi, le prochain ou dans deux semaines pour de nouvelles tentatives exo 100 tentas sur Rush. On aura aussi sur Boon des tentas exo évidemment, parce que ça continue la série sur Boon, c'est full exo. Et ça arrivera aussi très bientôt. Voilà, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette nouvelle vague vous a fait plaisir à regarder. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.